Et salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on est parti pour la suite de Pool Cleaning Simulator. Et donc du coup, j'ai refait évidemment ce qui nous manquait le dernier coup, puisqu'on avait fait jusque là, on avait fait vider la piscine, découvrir le secret, enlever les piranhas, etc, etc. D'ailleurs il y en a un à côté, mais il est bien, t'as qu'à rester à côté. Et donc du coup on s'est arrêté là-dessus, puisqu'il me manquait et le thermomètre. Et oui. Et qu'est-ce qui me manquait d'autre? Ah oui, le pH-mètre, je crois. Le pH-mètre. Faut y foutre. Donc c'est entre 30 et 32, une connerie pareille, donc on va l'augmenter. Il faut taper ce code à chaque fois. Insupportable. Voilà, et il s'arrêtera tout seul comme un grand. En espérant qu'il continue. Ça se trouve, j'ai fait du caca. Attendez. Non, c'est bon. Impeccable. Ok. Eh bien, écoutez. On ramène ça. Tranquillement. Et donc, du coup, pH mètre de mes couilles. Ah. Ah. Oh. Verser la flot. Et ici. Oui, mais le problème reste le même. Encore un petit coup. Bon, là on devrait être pas trop mal, je pense. Et donc du coup le bidon. Le bidon bi est ici. Alors c'est vrai que celui-là il va partir extrêmement vite. Ah bah impeccable. Ok, très bien. Par contre, il nous en reste 7 machins. Bon, ben voilà. On aura fini celui-là. Impeccable. On a complet. Et voilà. Alors, on en est à la partie combien du lot avec son canard de mon cul, là. Partie 4, donc on va continuer à l'hôtel, je pense. Ah, mais j'ai pas ramené mon outil, nom de Zeus. Voilà. Donc, pour le prochain coup, il nous faut... Madame Salomon, saut en métal, et c'est tout. Et bien le saut en métal, qu'on va commander tout de suite. Saut en métal lui-même. Hop, hop, le petit soyo. Qu'est-ce qu'on va... On ramasse pas de canards avec, hein, j'espère, hein, parce que les canards, j'aime ça, mais... Alors du coup, est-ce qu'on pouvait s'acheter un bonus, mais... 60 balles, 80 balles. Ils ont rajouté des trucs depuis hier. Il augmente la vitesse de course. Mais est-ce qu'on peut tout porter en même temps? Putain, j'ai foutu cher. Hein. Est-ce que je peux tout porter? On va se calmer. Hein. Parce que ça commence à faire. Quoi? Ah! Ça se range dans la boutique, ça? Ah, j'avais pas prévu ça. On peut pas les porter. Yes, on peut pas les porter, ces machins-là? Parce que j'achète. Mais j'achète et je fais du kéké. Yes, y a pas un endroit... Ah oui, d'accord. Augmente la vitesse. Ok, donc il y a juste à les rentrer dans le casier et point barre, alors. Voilà. Et voilà. Viens ici. Et on met ça là-dedans. Et on n'a pas de troisième emplacement, mes couilles en ski. Ok, par contre, ce coup-là, on stoppe les frais, hein, parce que... Bon, est-ce que je peux faire la suite? Je peux faire la suite. Malikoum salam. Salam alaikum. Bon, il va falloir renettoyer la piscine, évidemment. Vider la piscine. Ah ouais, dégueulasse. Bon, il n'y a pas de piranha. Ah, il y a deux codes. Cool. Schlack et schlack. Vidons la piscine, putain, il y a des machins partout. Je sais pas ce que ça va nous donner, ça. On a plus le secret. Ah, c'est Terminado Chocho de Pococcini. C'est 55-32 partout.
Ah. Ça ne marche pas. Tout pas. Tout tout pas tout tout pas. 0216. Ouais, je suis curieux. C'est pas celui-là. Merde. Donc c'est l'autre. 0216. Bah bro. Il faut qu'on tombe. Faut que je nettoie la piscine. Je vais te faire le con. Et puis on en trouve quoi là-dedans? Qu'est-ce que c'est ça? C'est qui? Ça met dans le camion ça? Pas du tout. Merde! Bon, attendez, on verra plus tard, hein. On va pas chercher tout de suite. Allez, dégage. Faut vider les saletés de la piscine. Oui, oui, je m'égare tout le temps, moi, hein, vous savez. C'est pas d'aujourd'hui. Allez, c'est reparti. On va nettoyer la cipine, la piscine. Bon, alors, c'est vrai que par rapport à la piscine de Tommy avec ses fameux canards, j'ai bien l'impression que c'est plus difficile à nettoyer celle-ci. Enfin, c'était plus difficile, là, apparemment, ça n'a pas l'air d'être si compliqué que ça, mais la première mission dans l'hôtel, c'était plus dur. Hein. Ou alors, je m'y prenais mal, peut-être. Peut-être. Ouais, moi, je sais pas utiliser un Karcher, c'est bien connu, c'est pas trop... Si, je dis ça, mais... Et un Karcher, c'est pas compliqué à utiliser. À part quand tu craches à 2 cm du radiateur, puis tu perds ce radiateur. Quand même idiot. Mais ça, c'est un autre débat. Ah bah voilà, j'avais dit que j'allais pas m'en servir. Terrible. Vas-y, valide, arrête. Voilà. Voilà, c'était juste pour la validation. Le petit bruit et tout. En fait, faut y aller lentement. Qui arrangerait, je pense, grandement les choses plutôt que d'y aller comme un sac comme je fais, évidemment. Ben moi, faut que ça avance. Hein. Faut que ça avance comme d'habitude. Ta gueule. Portable de Seymour, là. C'est que de couiner. Tiens. Schling. Et schling. Allez, nettoyer, balayer, astiquer. J'irai par la suite. Oh, quel outil de Seymour ce machin, je vous jure. Ça me rappelle Powerwash quand même. Hein. C'était bien sympa Powerwash, tout de même. Je ding. En tout cas, j'ai pas trouvé de bug si flagrant que ça. Enfin, je l'ai même pas trouvé du tout. Juste le coup du canard où tu rebondis sur le canard comme un con, mais rien de bien. Et rien de bien violent, hein. On va se calmer. Hein. Ouais, je fais des lignes droites et alors. J'aime les lignes droites. Il reste 17% de saleté de merde. 16. Comment ça, 9%? Ça fait beaucoup tout de même. Pas tant que ça, en fin de compte. Il va y avoir des restes un peu par-ci, par-là. Allez, versez d'eau dans la cipine. Hop, rempli. Pendant que je suis occupé, 55-32. On a l'habitude. Alors, verser la flot. Ah merde. Ah. Comment ça? Comment ça? Ça marchait le dernier coup, ça, hein?
Il y a un problème là, mon colonel. Ok. Y a-t-il une pompe à première vue? Là, il n'y a que Chimikui. Là, on ne sait pas ce que c'est. Et voir que j'ouvre toutes les bouches. 0216 93 54. Et on manque hein. Alors attendez. Dans du lait et du miel avec des tranches d'orange. Je crois que tu réussiras bien cette fois-ci. Pour vider la piscine, déplacer le levier rouge. Pour le remplir, tourner la valve de la roue rouge et déplacer le levier bleu. Ah, ça a changé ça. Tourner la vanne et le bleu. Ok. Excusez-moi. On tourne la valve. Et le levier bleu. Et c'était pas ça jusqu'à présent. Alors 93, 54. Et donc du coup la dernière c'est quoi? Ici. Bah. Ok, trouver le code de la pièce centrale. Ah ouais? T'es rigolo, toi? Y a-t-il des morceaux de code 5 litres? Donc c'est pas ça, hein. C'est pas 5 litres, évidemment. Parce que là, ils m'ont donné... Alors, le code de la pièce du milieu est bien caché. Vous ne pourrez pas résoudre mon énigme. Il est bien caché? Donc le code est écrit quelque part alors, d'accord. On va le trouver toi. Putain, quel enfer. Quel enfer. C'est encore un truc qui va me prendre je sais pas combien de temps alors que je vais passer 15 fois devant. Évidemment, donc il est bien caché. Un truc à la Resident Evil? Où ils t'en mettent un morceau à un endroit, un morceau à un autre. Non, parce qu'il y a trop de combinaisons pour les faire une par une, faut quand même pas déconner. Je veux bien, moi, hein, mais... Ils ont vraiment mis des trucs qui sont hyper casse-couilles. Qu'est-ce que c'est que ce truc-là? Tournevis? C'est super. C'est super. C'est super. Milk. Du calcium et du milk. Là, il y a une espèce de plaque à la con du cul. Il y a une espèce de plaque à la con du cul. Et après... ce serait caché où, cette merderie? Attendez, il y a la même plaque ici? Il y a la même plaque. Ah, mais c'est la plaque du boîtier. Donc ça ne sert à rien. Comment je vais me démerder pour trouver ce code? Le code de la pièce du milieu est bien caché. Vous ne pourrez pas résoudre mon énigme. Putain, quelle casse-couille. Quelle casse-couille. Où est-ce qu'il aurait caché ça? Il est bien caché, oui, ah oui, effectivement, il est caché. Vous voyez quelque chose, vous? Moi, je n'y vois rien. Est-ce qu'il est pas... Est-ce qu'il serait pas vers la pompe? Non, je l'aurais vu quand même, non? Attendez. Non. Putain, où il est ce code de merde? J'ai beau tourner comme un con. Mais écoutez, on se fait une pause. Et puis je vais chercher, je vous dis à tout de suite. Bon, ok, je crois avoir trouvé. Là, il y a un 3, il y a un 9. Quand on fait les... quand on fait le... Merde, le F, vous savez.
Donc il faut prendre dans quel ordre aussi, c'est bien ça le problème. Ça j'ai 0, 2. 0, 2. Puis là il y a quoi? Allez, reviens toi. 0, 2, 6. 0, 2, 6. Et de l'autre côté. Ça c'est une croix. Ah j'ai pas... Ah il y en a peut-être un là-haut. J'ai pas vu là celui-là. 0, 2, 6. 1, 5, ça. Puis un 3. Oh mon dieu. Et attends. 0, 2, 6. Oh, je n'y comprends pas. Je ne comprends pas. 0, 2, 6. Je revérifie à chaque fois. Hein. Donc 0, 2. Là au-dessus, est-ce qu'il y en a un? Allez! 0, 2, 1. Ben c'est 0, 216 ça. Là il y a un 6. Oui, ça, c'est, ça on le savait. 0, 216. Ici, donc du coup, c'était quoi celui-là? Donc là ça devrait être un 4. Oui, 4. 5. 4, 5. Oui, et 9, 3. 9, 3, wesh, wesh. 9, 93, 50. Oui, donc c'est ça. Donc ici, alors. Est-ce que c'est ça? Ah oh, putain, c'est là. C'est là-dedans. C'est là-dedans. Attendez. Faut le temps que ça revienne. Faut le temps que ça remonte au bocal. 0, 76, 28. 0, 76, 28. Putain, mais j'ai cherché un moment, hein. Je vous garantis que ça va péter les couilles. Hein. Oh, ça m'a cassé les bonbons. Oh, nom de Dieu, nom de Dieu, nom de Dieu, nom de Dieu. Oh, si ça m'a cassé les couilles. Vraiment des énigmes, mon pote. C'est terrible. Le lait, il est où? Il est là-bas. Oh, la vache. Oh, ça m'a cassé les couilles. Encore? Non, rien à foutre. Le miel, il est de l'autre côté. Putain, serre-toi, toi, Voldemort. Quelle idée de se baigner avec ça. Allez, ben ça là. L'huile essentielle, mais de l'autre côté. Oh, toujours plus. Putain, les gens, ils sont casse-couilles. Viens voir ici, toi. Tiens, démerde-toi, chacun son caca. Chacun son chemin. Placer les tranches d'orange sur l'eau. Cool. Ça y est, t'as tout vidé dans le bordel. Range de soyo, là. Les tranches d'orange. Une par une, bien sûr. Bah oui. Je sais pas si je les ai. Hein. Bah elle est tombée là. Elle a rendu votre objet. J'ai rien perdu moi, en l'occurrence. Mais bon. Mais place-les, je sais pas, non? Voilà. Donc la première a pas compté, évidemment. C'est bien leur histoire de débugage quand même là. On va pas se mentir. Ça compte ça? On dirait. Ah, viens ici. T'es la moitié dessus, à moitié... Ah, celle-là, elle compte pas, alors. Bah ouais, mais... Elle branlote, elle branlote, elle branlote, là. Oh, puis il faut les placer bien à cet endroit-là, hein. T'sais, tu peux pas juste jeter tout le bordel dedans et puis y rien à foutre, non? Qu'est-ce que c'est que ces inepties? C'est que ces conneries là. Putain, pète couille. Ah, les gens riches sont chiants. Hein. Ça, c'est sûr, ils sont casse-couilles. Bon, le thermo. Le thermomètre. Viens ici, mon petit thermomètre. Allez, hop.
Pote, 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 si tu veux. Alors, 55, 32. Augmente la température. Bon, c'est bon. Apparemment, pas chercher plus loin. Allez, hop, 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 hop. Et donc, du coup, le pH chouette. Non, mais le chlore a déjà redescendu. Arrête. Arrête, arrête. Tu me casses les couilles. J'en ai bientôt plus en plus. Hein. Oh, c'est pas vrai. Trouver un trésor caché. Oh, encore ? C'est quoi le trésor ? Explique. Ah bon ? Mais c'est quoi comme trésor aussi ? Que j'aime ton trésor caché. Ah, c'est terrible. C'est terrible. Oh non, pas une deuxième coupure. Oh ! Impeccable. Oh, le bouton ! Le bouton magique. Impeccable. Allez. Et je me tire. On va faire un autre. Je me tire. Oh, le miaou. Le miaou miaou. Ok. Pff, oh, le pétco, il dit. On a 865 drawers. Alors, qu'est-ce qu'elle nous dit, celle-là? Un aspirateur sous-marin, dis donc. Un aspirateur sous-marin, un sac poubelle. Un aspirateur sous-marin. Alors, attendez. El aspirateur. Un sac poubelle. Where is the sac poubelle? Où est le sachot poubelle? Ah, ils nous ont rajouté des gilets et tout. Nourriture pour chien, nourriture pour chat. J'ai même pas vu le sac poubelle. Je suis passé devant 15 fois. Lampe UV, sac poubelle. Ah d'accord, excusez-moi. Ouais, excusez-moi, excusez-moi. Alors, qu'est-ce qu'il te faut d'autre, Jean-Michel? Sac poubelle. Une clé. Ah, il faut deux filtres. Il faut un autre filtre. Une clé et un filtre. Une clé. Un filtre. Un filtre. Il me refaudrait ça aussi. Oh, ça commence à latter les couilles, ça. Hein. Ça, on a vu, ça, on a vu, ça, on a vu. Un chlore et pH mètre. Un chlore et pH mètre. Mais j'en ai un. Qu'est-ce que c'est que ces conneries? Attends. Bah oui, je l'ai sur moi. Évidemment. 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 Je peux le mettre à côté. Et celui-là, je peux pas m'en débarrasser par hasard? Si. Après, il vaudrait peut-être mieux que je les emmène les deux. Oui, oui. Un filter. Elle filtre. Deux filtres. La clé. J'ai la clé. Oh, la clé. Hop. Et je crois bien que j'ai plus d'argent d'ailleurs, 230 balles. Je ne sais même plus ce que c'est ce truc là. Où c'est que je mets le bâton? Là je le mets dans le... Dans le huc. L'aspirateur. L'aspirateur il tire la gueule aussi. Il a l'envers. C'est bon, on peut y foutre? J'ai tout. T'as tout. Ok, allez ça part. Et je me tire. Je me tire. Oh Dieu. Putain. Excusez-moi. Je suis fatigué. Excusez-moi. Qu'est-ce que c'est ça? Oh. Oh, c'est ça là en plus. Bon. Les pastilles de chlore. Je sais plus où c'est. C'est là. Pastilles de chlore. Elle est où la bite? Le doute. Ma bite.
Il ou le zinzin. Putain. Mais ce bordel, rangez pas surtout, hein, vous allez faire une entorse. Il est où le machin déjà? Ça commence bien. Il est où le truc? Local, il est où le local? Elle local, il est où le local? Oh, il y a un de ces Delbord. Pauvre ami, qu'est-ce que c'est ça? Ah, c'est pour Ratan là, d'accord. Elle est où la bite? Le doute. Ma bite. Ah, puis il y a un code. Le code. 1234. Vous êtes pas un chiant. Allez, mets ça là-dedans, là. Combien? Combien? Oh putain, beaucoup. Mais j'en ai pas assez. Il m'en faut plus. Ok, demi-tour. Il faut que je rachète ça. Complet. Je me tire, c'est fini, allez hop. Non, il me refaut un machin de chlore. Oh, le chlore. Non mais t'as vu le nombre qu'il faut que j'en mette aussi, t'es rigolo. Alors boutique, je vais tirer du canon dans ta boutique. Conteneur de chlore. Ouais. Allez, c'est reparti. Mon petit, c'est le nom. La Dory, viens ici la Dory. Ah, c'est une école. J'avais même pas vu que c'était une école. Bah c'est une école de nage, de natation. Allez, c'est reparti. Je vais déjà bouffer celui-là. Allez, c'est reparti. On peut y en faire bouffer autant qu'on veut, ce truc-là, ou pas? Ah, il est plein, évidemment. Le loot, ma bite. Allez, huit. Fais glouglou, toi. Il a barre, là, quand même. Hein. Je dirais pas comme ça, mais... Allez, dégage. Je te mets tout au même endroit, j'ai rien à la foutre. Voilà, j'en ai plus. Je vais mettre ça à la poubelle, je reviens. T'as va falloir qu'on commence à s'équiper en conséquence, mon petit. Eh ben, rentre là-dedans. Non. Non. Non, mais j'en ai plus à un moment donné. Voilà, allez. allez. Pas se prendre la tête avec ça, hein. Pas déconner, à un moment donné, hein. Dans l'eau. Mais il y en a 4. Il y en a déjà 2 là. Ah d'accord. Oh putain ça. Ah puis c'est bien précis hein. Évidemment. Voilà. Bien aux 4 coins. Faut surtout pas que le machin se promène. Ils vont me faire ramasser toutes les planches d'Igos et tout le bordel, vous allez voir. Dévisser les écrous métalliques. Merde. Comment ça? Où ça? Où ça? Il est où mon tournevis? Attendez, que je vérifie tout de même. Avec la clé, évidemment. Pas avec ça. C'est pour ça qu'ils ont précisé métallique. Mais lesquels? Qu'est-ce que c'est que ce tas de papillons là? Attendez.
Moi, je veux bien dévisser tout le monde, hein, mais... Où? Dis-moi. Dis-moi où? Quel écrou? Ceux-là? Je peux pas aller dans la piscine? Bon, ça écarte déjà beaucoup d'hypothèses. Quel écrou? Il est là, mon seigneur, de se réveiller, c'est l'heure. Il y en a combien? 3, 4, 5, c'est pas ceux-là, ça c'est des papillons de lumière. Putain, où c'est qu'ils sont ces machins? Ça c'est les Ivan, ah bah c'est là, putain, je vous l'avais dit. Hein. Ouais, j'étais mécanicien dans une autre époque. Surtout, ça, vous savez comment on appelle ça? La clé de paysan. Je sais pas, tu peux pas acheter les clés en conséquence au lieu d'acheter la clé de paysan. Ah! Je suis obligé de tout reposer à chaque fois qu'il y a l'enfer sexuel. De la mort. Évidemment. Mais je peux pas tout faire avec le même? Attends. Penses-tu? Mon cul. Allez, remplace, nettoyer la saleté autour de la piscine. Alors attends. Where is my karcher? Ah puis la bonbonne elle est toujours là. Hop, hop. Je suis là, j'arrive. Alors quelle saleté? C'est toi la saleté. Ah, ils vont me faire ramasser les planches. Sûr, 200%. Ah c'est sûr, je la vois arriver. Ils vont me faire ranger les planches des gosses et tout le bordel. Cool. Ouais, j'ai été nettoyeur de piscine à une autre époque. Mais cette époque est révolue. Quel enfer. Il y en a encore beaucoup. Parce que qu'est-ce qu'ils appellent de autour de la piscine? Parce qu'il y a, long autour de la piscine. Hein. Oh les bâtards. Ah les bâtards. Les bâtards. Mais qu'est-ce qu'ils font? Ils chient au bord de la piscine ou... C'est un truc de ouf ça, hein? Dégueulasse. Et la piscine c'est fait pour se baigner, pas pour chier à côté. Hein. Cracra là. C'est dégueulasse. Non mais toujours plus, c'est de pire en pire. Ah, quand ils vont se laver les mains, ils se lavent les mains d'une part et ils pissent de l'autre, comme ça, fait des grosses traces. Ça, on s'en fout, tant mieux. Et les traces vertes, tu sais pas ce qu'ils font. C'est quand ils ont mangé trop, ils ont mangé mexicain la veille et tout. Et il faut, hein. Faut évacuer, mais ils pourraient évacuer dans les toilettes. Il y a des shots pour ça, hein. Cochon. Putain, puis il y en a encore, hein. Là, il y en a un qui a glissé. Il y en a un qui s'est... Il y en a un qui s'est soulagé, là, au milieu. Tout va bien. Bon. Attendez. Sac poubellos de Pococheni. Qu'est-ce que j'ai fait de ce truc? C'est là, les sacs poubelles? Oui. C'est des trash. Ah, bien, ils ont une surbrillance, dis donc. Allez. Je le savais. Ramasser les déchets et jeter dans la poubelle. Eh, hey, t'as cru qu'il y avait écrit quoi sur mon front, là? Ça sent, ça fait partie des déchets. Moi, j'en ai un fou, j'ai tout. Hein. Or là, pas délicat. Hein. Bon, les planches, apparemment, non. Ça, oui, je dirais. Oui.
Attends, puis il faut chercher en plus qu'est-ce qu'il faut jeter. Ça là, on peut? Ben ça là, non, on peut pas. Est-ce que c'est que... Tiens, ça aussi, ça en fait partie, ça. Voilà. Mais qui traînent autour. Ou qui sont dedans. Parce que ça sent... D'accord, l'autre s'est mis à poil tout nu, les mains dans les poches. Ça s'en est un, hein, on est d'accord. Non, non, non. Qu'est-ce que c'est que ce cerf-volant? Hop, il plane dans le slip. 9. Ouais, ouais, je ramasse la merde à mes heures perdues, évidemment. Allez, 8. Mon dieu, c'est un sacré godet, ça. Il y a une grosse soif. J'ai vu autre chose, là. Le sac, là, ça en fait partie? Pas du tout. Bon, alors ça, on s'en fout. Ça, là, la bouteille de whisky, là, on pourrait peut-être, non? Enfin, je sais même pas ce que c'est. Puis ça. Non, mais c'est une blague. Comment je l'empoigne? Oh putain, je sais avec quoi. Oh, je sais. Oh, je sais, ça va me saouler. Va falloir que j'aille à la pêche. Avec l'épuisette. 5. La savate, là? On peut la mettre dedans? 4. Et puis ça. Non, ça, il en veut, point de saouler. Épuisette. Qu'est-ce qu'elle fait, la calculette, ici? Qu'est-ce que c'est que ces conneries? Yes. Alors, je sais peut-être. Là-dedans, il n'y a rien. Hein. Non, non, il n'y a rien. On remet pas la plaque, par contre, à la foutre? Bon, je vais chercher mon épuisette. Évidemment. Alors, si ça marche, hein, parce que c'est déjà pas, pas sûr. Hein. Tiens, t'as vu ça? Ah, ça marche pas. C'était peut-être pas une poubelle. Voilà. Eh ben, sinon, fais comme ça. Voilà. Ça là. Ben ça là, voilà, ici. Je lâche le bordel. Ah mais non, non, il veut pas, hein, c'est... Putain. Et... T'as pas commencé à jouer avec mes couilles, hein? Non, ça compte pas, ça. Arrête. Arrête, arrête. Oh, j'en ai plein le huc. Bon, ça veut dire qu'il y a deux autres trucs. Sans avoir besoin de l'épuisette. Et si ça se trouve, j'ai fait bugger la mission. Ça, je peux peut-être le mettre. Ouais, oh, bah, ça va, hein, merde. Voilà. Donc, il y a deux autres trucs. Donc, un là. En poigne. Et l'autre ici? Mais non, c'est la mienne, ça. Putain. Enculé. Il est où, le dernier? Oh, les trucs à la mormole du cul, là. Il est où, le crac-crac? Allez, c'est... D'accord. Ah ouais, non, mais oui. Ah oui, quand même. Il va pas passer, là. On peut pas tourner? Ah, reste debout. Très bien. Pêcher les déchets dans l'eau. Arrête! Je viens de le faire. C'est toi le déchet dans l'eau. Oh, on est déjà 49 minutes. 39 minutes de vidéo. Quel enfer. Enfin non, pas quel enfer, mais... Ça, c'en est un. C'est un déchet. J'en fais quoi? Je me le mets dans le cul? Merde. Oui, je les pêche. Puis après... Parce qu'il n'y a plus de sac, hein. Bon, bref, on verra après, peu importe, vas-y, pêche. Hop, petit slip. Hop.
Ils s'y remettent, vous croyez? Là, il y a encore un truc. Tu vas m'expliquer ce que j'en fais aussi? Hop, la petite couche. Bon, ce coup-là, alors attendez, parce qu'il va me falloir des sacs. J'ai encore bouffé plus de sacs que prévu, quel enfer. Hop. Ah, il va falloir que je les repêche encore. J'en fais quoi? Si je les mets dans la poubelle, ça va passer? Mais j'ai déballé trop de choses, trop de munitions. Déjà, est-ce que ça va marcher? Faut que je ramène mes outils, hein, parce que j'en mets partout, là. Comme un sac. Putain, c'est pas du tout pratique, ça, je trouve. 3. Fais pas le con. Fais pas le con. C'est que j'ai mis la culotte, là. Non. Tu vas la chier? Merci. T'as chiasse? 2. Attends. Non, mais je rebouffe pas un sac en plus, hein, merde. À un moment donné, y a des fois où il faut savoir faire le rap. Et là, c'est le moment de faire la rap. Donc, je vais tout mettre dans la même poubelle. Voilà, casser les couilles à tout le monde. Et après, il va me redemander de mettre un autre sac poubelle, de toute façon. Parce que voilà. Du coup, attendez, parce que je me promène avec mon bidon comme un con. Merde, zut, flûte. Voilà. Hop, le slip. Des enfants sans manière. Non, mais il n'y a pas que les enfants. Hein. Bon, là, c'est une école. Mais sinon, en piscine normale, il n'y a pas que les enfants. Hein. C'est... Tout le monde est à dégueulasse maintenant. Hein, donc... Et après, il va me faire ramasser les planches. Il y a un bouquin. Qu'est-ce que ça fait dans une piscine? Le machin, normalement, il devrait déjà être moisi. Bande de dégueulasse. Nettoyer le fond de la piscine. Avec le robot. Et le robot? Et le patator? Il faut que j'attende comme un con, non? Comment ça marche, ça? Je jette dedans, rien à foutre? Ça marche comment, ce truc? Je la vide? Faire insulter, non? Bon, attendez, parce que je suis en train de faire le guignol, mais... Putain, mais moi, je peux pas y rentrer! Mais il y a déjà un robot? Ah, mais il est là! Attends. Oh putain! Y'a pas moyen de rouler plus vite? Non mais insupportable! T'es mignon, hein? Mais l'année prochaine! Comment ça, shoot mode? Attendez, qu'est-ce que c'est le F3 là? Ah d'accord. L'année prochaine, j'y suis encore, non? Qu'est-ce que c'est que ces traces de frein au fond de la piscine? Et j'ai tuyau illimité dessus, vous croyez? Parce qu'il y en a pour 1000 ans, là. Contrôle. Contrôle de quoi? J'en ai pour 1500 ans, là. Non mais sinon je vais vous faire une coupure, je le sens, hein. On va pas, voilà, je vais pas vous infliger ça pendant 15 ans non plus. Je vais être tout à fait capable de nettoyer le fond d'une piscine en y restant 1000 ans. Oh, puis alors en marche arrière, bip 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 bip. Il y a des piles là-dessus, non? Une fois qu'on l'a, c'est acquis, parce que
Parce que je sens que je vais bouffer le train de pneus, les piles, tout. Ok, bah écoutez, vous savez pas, je vais vous faire une coupure. Puis on se retrouve juste après. Iruru. Alors pour ceux qui aiment les maps américaines sur farming, je vous conseille vivement le jeu. Évidemment, vous allez être servi en termes de gros champs, on va dire. Et oui, j'ai détouré ça comme un gros pro. Et hop. Tac. Voilà. Allez, prends ton outil. J'ai détouré ça comme un pro, j'ai fait ça comme dans les champs. Voilà, je vous conseille vivement de l'acheter, ce jeu-là. Pour ceux qui aiment les grosses maps, les gros champs. Putain, c'est chiant comme la mort, il va falloir des améliorations. Hein. Oh là là là. Oh si c'était long. D'habitude c'est plus c'est long, plus c'est bon. Mais là c'est pas bon. C'est quoi ce pet. C'est que c'est bon quand c'est pet ou c'est pas bon pet. Ok. Bon la température était bonne. Oh elle est bonne. Il est où le trou? Il est là. Et donc du coup il nous reste la fameuse... Trurie à utiliser, là, hop. On va aller tremper le zigouigoui là-dedans. Voilà, bon, évidemment, il en manque toujours de ça. Très bien, parce que je commence à en avoir marre de le promener. Allez, hop, tiens, démerde-toi avec ça. Voilà. Donc, il nous en faut en cours. Fais, arrête-le, en cours. Donc, ils nous font pour le monter. C'est rare qu'il faut le baisser, c'est toujours... faut toujours monter. Allez, une petite dose. Ah, une petite dose. Non, une petite dose. Voilà, ça, un peu de bidon et on n'en parle plus. Tout va bien aller. C'est où? C'est là. Le bidon, le bidouillon et on n'en parle plus. On n'en parle plus. Jeter sac poubelle plein dans la goulotte de votre voiture. Mais on ne peut pas. On ne peut pas. Je voudrais bien, mais on ne peut pas. Tout pas. J'aurais peut-être pu prendre l'autre truc, non? Putain, c'est un par un. C'est un par un. Mais la goulotte de la voiture, elle veut pas. Il faut l'ouvrir, ce truc. Ça ne marche pas, maître Jean-Pierre. Hein. Ah si, ça y est. Ouais, tout ce qui est emballage vide, je vous le laisse. Moi aussi, je vais faire mon cracra. Hop. Et puis après, on s'arrêtera là pour aujourd'hui, messieurs dames. Parce que putain, ça fait long. Hein. Ah, ça fait une sacrée mission, dis donc. Hop, il plane dans le slip. C'est bon après. C'est finito pipo. Trouver les planches de natation pour construire une pyramide. Non mais ni ta mère. Puis je les mets où? Je les mets où? Parce que là c'est une par une. Putain, c'est terrible. C'est une par une ça. Puis la pyramide on la fait où? Nous agissons en tant que concierge d'école. D'accord. Où c'est que je la fais? Où est-ce que je la fais? C'est bien ça, problème. Devant? Pas du tout. Ça, c'est les savates. Quel enfer. C'est peut-être ça que j'y reproche un peu au jeu, c'est de ne pas te dire plus les choses que ça. Parce que là, mon problème, c'est que je veux bien faire une pyramide, mais on la fait où? La pyramide de Monsby. C'est pareil, ça. Où c'est qu'on l'a fait? On l'a fait dans l'eau? Pas du tout. Dans la poubelle.
Bon, je veux bien, hein, mais... Je veux bien. Où ça? Respecter l'environnement également, remplacer les filtres de mes couilles. Bon, ça, on sait. On sait, et malheureusement, on peut utiliser... Attendez, question que je me pose, parce qu'on est plus à 2 minutes près, après tout. On peut utiliser cet outil-là? Yes, on peut utiliser l'outil. Reste à savoir où il faut mettre ça. Allez, c'est un truc qu'il faudrait que j'y pense, hein, à chaque fois. Hein. Systématiquement. Par contre, ce serait sympathique de me dire où est-ce qu'on met ça. Pour construire une pyramide. C'est ça leur problème, je trouve, au jeu. C'est... Je veux bien... Mais... Le tout est de savoir où. Et je vais encore être obligé de faire une coupure, quoi. Pour trouver l'endroit qu'il faut que je la fasse. Ah ouais. Bon, écoutez, je refais une coupure, je vous dis à tout de suite. Erreux. Oui, j'ai pas bougé de place parce que je suis allé sur Google à un moment donné, mais c'est là. C'est là, mais... ouais. C'est là, mais où savoir comment placer la première? Attendez. Putain, hey, c'est une par une comme ça? Ah oui, c'est une par une comme ça, tout de même. Ah, vraiment pas grand chose à foutre de notre journée. Le concierge de Monsby. Le concierge de Monsby. Comme si j'avais que ça à foutre de ma vie. Ah, je vous jure. Bon. Ok, allez, on refait le tour, on recommence. On fait le tour. Est-ce qu'elles sont toutes visibles aussi? Parce que je sais qu'il y en a là. Voilà. 10. Donc il m'en manquera 2. Il y en a une. Bah les deux là. Voilà. Tout simplement. Tout simplement. À un moment donné, je suis pas concierge, hein. Putain, il a pas compté. Il a pas compté, le con. Ah, puis alors, heureusement que j'ai le saut. Heureusement. Arrête. Arrêtez. Stoppez les machines. Bon, les deux dernières. Toujours plus, hein. Ok, bah cool. Parce que putain, celle-là, elle était longue, hein, tout de même. C'était pas mon job, effectivement, je suis d'accord avec toi, Jean-Michel. Ok. Impeccable. JPEP pour 700 balles, hein. Enfin, 659 balles, hein. C'est quand même pas dingo, hein, mais bon. Eh bien écoutez, on arrête là pour aujourd'hui, messieurs, dames. La prochaine fois, on essaiera d'attaquer... bon, des deux là, hein, on verra. Sébastien, propriétaire d'une installation sportive de Monsby. Il faudra les lampes UV. Et c'est tout.
Et c'est tout. Donc on sera ça la prochaine fois. Je vous souhaite à tous et à toutes une bonne journée ou une bonne soirée si vous regardez la vidéo en soirée. Je vous dis à la prochaine. Des bisous. Ciao.